S'il vous plaît, qui est Rebecca? Qui s'appelle Rebecca? C'est la seule. Venez, je ne la connais pas. C'est qui? Venez comme ça. Excusez-moi, est-ce que je peux aider quelqu'un avant de continuer la prédication? Ça va? Est-ce que dans votre nom, il y a Bonnie? Oui, c'est mon nom de famille. Ouais. Pourquoi je me retrouvais à Bata? C'est là-bas que j'habite. Voilà. Quand j'ai entendu Rebecca, mon drone a décollé. Mm. Mon drone s'est retrouvé vers Abata. Yes. Je suis à Abata, je ne suis pas très loin de l'eau. Hey. Voilà comment le Saint-Esprit me révèle cela. Mm. Quand je prends la voie pour aller à Abata, je vais jusqu'à ce que la voie me fait tourner pour aller au village Abata. Mm. Est-ce que je suis en train de partir chez vous? Oui. Dès que j'arrive, voilà la grande église même d'Abata. C'est là, quand tu tournes là, le Saint-Esprit me dit que c'est là que tu as. Prophète Stan, demande-lui si mon drone est bien arrivé dans sa maison. Bien arrivé. Est-ce qu'on peut marcher? Yes. Les Brayanita. Baba. Je déclare que le prophétique ne voit pas dans le passé seulement. Un prophète, il a l'esprit de la prédiction. Yes. Il y a des prophètes en Côte d'Ivoire. Yes. N'est-ce pas? Yes, daddy. Ce n'est pas que dans vos films nigériens qu'il y a des prophètes. Dans la francophonie aussi, il y a des prophètes. Yes. Il y a le prophétique en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Je suis en train d'être là-bas, à Abata. Et là-bas, je vois le hibou qui pousse des petits cris sur son toit. Après le cri du hibou, c'est des bruits comme des chats, mais on ne sait plus si ce sont des chats. Mais en tout cas, ce n'est pas possible. Vous voyez, tu ne peux pas habiter dans un endroit où le toit est dur. Je donne l'exemple. Tu ne peux pas habiter dans un immeuble. Il y a une dalle. Et puis, tu entends des pas. Comme le chat, il n'y a pas de plafond. La sorcellerie a quand même des dimensions. J'annule les effets de la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. À chaque fois, cette caméra sous la forme de hibou est là-bas pour la surveiller. Si le garçon lui dit « je t'aime », si elle doit faire en sorte que ça dure un peu, elle ne doit pas lui donner rendez-vous, serait-ce que même dans la proximité de sa maison. Elle est surveillée. Quand même je vois une technologie qui n'existe pas encore sur cette terre, qui la surveille, de petits yeux comme des drones. C'est des drones, des yeux volants qui la surveillent. Mais je casse ses yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, voilà une situation de vie. Cette situation de vie est pénible. Vous la traversez et vous la traversez, mais dans une injustice que vous ne tolérez pas. J'entends un bruit d'avion qui plane au-dessus de vos têtes, ça fait plusieurs années. Je vois que c'est-à-dire votre propre parent, je le vois au milieu des blancs. C'est qui? C'est votre papa. Il est dans quel pays? Il est en France. Et depuis, vous êtes ici, mais il y a de la négligence vis-à-vis de vous par rapport à un regroupement familial. Vrai ou faux? C'est vrai. On a tourné la tête de votre papa de sorte à ce qu'il ne se souvienne pas de vous. Et j'ai vu votre nom en train d'être malmené par la sorcellerie afin que vous échouiez à chaque fois que vous entrepreniez quelque chose. Et j'ai vu que cette chose-là a été faite depuis le village du Dieu Soleil, le Dieu Soleil africain. C'est un dieu enzima qui a été importé ici en Côte d'Ivoire. Et ce dieu-là a été adoré par des Zani et par des Baoulé. Et c'est comme si le village s'appelle Ewia ou Awia. Awia, le village, je ne sais pas. Hey! My God, my God, my God, my God. La Brazataya. Est-ce que je peux prophétiser? Come on, daddy. Come tu on, me donnes un amen, je bombarde. Permis un jour de sabbat de libérer quelqu'un. Si tu me donnes amen, je prophétise ma carrière de pro. Les Razata, je suis en train de traiter l'homme intérieur, exotéros. Je suis en train d'entrer dans la vie de cette femme afin que la faim, dis avec moi la faim, se déroule dans de bonnes conditions. Amen. Ils ont tourné la tête de son papa en sorcellerie.
Donc, il la néglige. Son père est là-bas, il a aidé beaucoup de personnes. Mais elle, on ne l'aide pas. Mais elle est libérée. Amen. Prophète Stan, Daddy, dis-lui qu'elle est libérée. Vous êtes libérée. Dis-lui encore qu'elle est libérée. Vous êtes libérée. Amen. Prophète Stan, Daddy, dis-lui de dire trois fois Amen, qu'elle amen, est à sa place. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Est-ce que je peux prêcher? Come on, Daddy. Est-ce que je peux prêcher? Prêche, Daddy.